Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième rendez-vous sur Wendall Wondrous World. Nous allons vous présenter aujourd'hui, mon chat Minuit et moi, deux nouveaux objets tirés du monde d'Harry Potter. Alors merci beaucoup de continuer à nous suivre et à partager ces vidéos. On y va ! Alors voilà, je crois que c'est inutile de vous le présenter, le Choixpeau magique, extrêmement célèbre dans le monde d'Harry Potter. Alors cet objet, je l'ai créé de manière très simple, avec du tapis de gymnastique. C'est une espèce de tapis en mousse qu'on trouve dans les magasins en général de sport ou dans les magasins où ils proposent des articles de camping et des choses dans ce genre-là. Et c'est très pratique pour ce genre d'objet. Alors, au niveau du patron, c'est des choses très simples, c'est des patrons qu'on peut trouver sur internet, mais pour les chapeaux, c'est très simple, c'est-à-dire c'est un cercle, un rond parfait qui va servir à faire le contour, avec un trou au milieu, et pour cette partie-là, au départ, c'est juste un cône absolument parfait, qu'ensuite, on n'a plus qu'à coller les deux ensemble, et à partir de ce moment-là, on va voir comment obtenir cet effet un peu torturé et tordu. J'ai utilisé ce qu'on appelle un décapeur thermique, ça ressemble un petit peu à un sèche-cheveux, c'est un article de bricolage, mais qui chauffe à des températures très fortes, donc faites très attention parce qu'on peut très facilement se brûler, mais voilà, donc il suffit de chauffer tout simplement les endroits où vous souhaitez que ça se plie, et le décapeur thermique va en fait chauffer la mousse et la rendre molle et malléable. De cette façon, vous pourrez lui donner la forme que vous souhaitez, et ici ça m'a permis de donner tous ces plis que vous voyez ici. Et pareil donc pour le pourtour du chapeau, vous voyez, il y a des petits endroits, j'ai fait des petits cuts comme ça avec des ciseaux. Et pour le bord, j'ai utilisé également le décapeur thermique. Donc voilà, ensuite il m'a suffi de rajouter ces petites lanières de tissu, ici, et une ici sur le pourtour du chapeau. Et voilà, vous vous retrouvez avec cet objet que vous n'avez plus après qu'à peindre avec un mélange de marron et vous faites un petit brossage au doré sur le dessus pour lui donner un petit air un peu vieilli et cet air un petit peu grincheux qu'il a en permanence. Et voilà, donc c'est très très simple et ça, je pense que tout le monde peut vraiment le faire. S'il vous plaît, tout sauf Serpentard, tout sauf Serpentard. Alors voilà, pour ce deuxième objet du jour, on va parler d'une petite créature dont on ne parle pas beaucoup, en tout cas qu'on ne voit pas dans les films, mais qui existe bel et bien dans les livres, et dans les vieux vidéos et dans d'autres supports Harry Potter. Il s'agit du gnome de jardin. Donc c'est une petite bête qui infeste les jardins et qui est un petit peu considérée comme un nuisible et qu'il faut absolument chasser de son jardin. Et moi, je l'ai toujours trouvé assez rigolo. Moi, j'ai découvert personnellement dans les jeux Harry Potter sur PlayStation. Et je l'ai trouvé assez mignon, même s'ils sont un peu vilains. Mais moi, je l'ai trouvé assez mignon. Donc, je me suis dit, j'en veux absolument un dans mon bestiaire. Alors, si vous souhaitez réaliser ce petit gnome de jardin, il suffit d'utiliser pour le même principe qu'on a déjà vu précédemment pour la mandragore. Alors c'est parti d'un petit bébé en plastique, une petite poupée en plastique, que vous allez simplement déformer en rajoutant à divers endroits des petits monticules de plastiroc. Alors sachez que le plastiroc, l'avantage c'est que ça adhère à quasiment la totalité des matières. Hein, il suffit de rajouter un petit peu d'eau, de l'humidifier, et à partir de ce moment-là, ça se soude très bien sur le plastique, en l'occurrence pour cette poupée. Voilà, donc j'ai rajouté beaucoup de pattes en bas pour lui faire deux gros pieds, avec des petits orteils comme ça, un petit peu griffus. Et pareil pour les doigts, vous voyez, je lui ai fait trois doigts, comme ceci. Et j'ai rajouté des petits cercles pour faire des petites pustules un petit peu partout, puisque je pense que c'est un petit peu apparenté à une pomme de terre. C'est une créature qui a une tête de pomme de terre, voilà, c'est un petit peu par la raison qu'on ne le voit pas tout le temps dans les jardins, qu'on ne peut pas tout de suite apercevoir, parce qu'il ressemble à une racine, sauf quand il se met à bouger. Et avec cette tête complètement déformée, pour le coup, oui, c'est vraiment une pomme de terre. Hein. Donc voilà. Et au niveau des couleurs, vous voyez, bah, du marron très clair. Il ne faut pas trop le lisser.
comparé aux autres objets qu'on peut faire en plastiroc, qu'on peut poncer facilement avec du papier de verre, lui, il faut éviter parce que justement, toutes les callosités et toutes les irrégularités rajoutent un petit peu de vrai dans tout ça. Voilà, donc pas hésiter à bien observer et à mettre des couleurs nécessaires, des petites taches noires et marron pour figurer un petit peu les petits points qu'on peut trouver sur les tubercules comme les pommes de terre. Et voilà, moi je le trouve vraiment très cool et vraiment très mignon, donc si vous aussi vous voulez le réaliser, c'est très simple, vous voyez, il vous suffit d'une base poupée, d'un peu de plastiroc et d'un peu d'imagination, et vous pouvez le retrouver avec ce petit personnage très sympathique. C'est déjà la fin de notre troisième rendez-vous, mais je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo qui présente encore d'autres objets du monde d'Harry Potter sur Wendall Wondrous World. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser bien sûr vos commentaires, vos suggestions et vos idées. Voilà, à bientôt. Nox.